Plusieurs invités chinois et marocains ont célébré ensemble samedi à l'ambassade de Chine à Rabat le nouvel an chinois ou fête du printemps qui tombe cette année le 31 janvier. Aujourd'hui, nous félicitons la fête du printemps, c'est-à-dire c'est le commencement une nouvelle année d'après le calendrier lunaire. Mais cela, c'est très important pour la nation chinoise parce que c'est une fête, surtout la fête nationale ou bien aussi la fête familiale. Mais maintenant, il y a beaucoup de Chinois qui travaillent dans les étrangères et ils font un voyage des étrangers. Mais on a aussi transmettre quelques cultures chinoises à l'étranger. Mais il y a beaucoup de gens, beaucoup des amis chinois qui aiment déjà connaître la fête du printemps et aussi la culture chinoise. À l'approche des fêtes du Nouvel An chinois qui marque l'entrée dans l'année du cheval, la plus grande transhumance humaine se prépare actuellement en Chine. Le Nouvel An chinois coïncide précisément avec le 11e jour du 11e mois du calendrier lunaire, une date qui varie chaque année mais tombe inévitablement entre le 21 janvier et le 20 février.